sommes sur le procès des biens supposés mal acquis. Nous sommes aussi sur le procès du président Hissène Habré. Et peut-être demain, nous organiserons le procès d'une autre personnalité africaine. Alors, le Sénégal est-il devenu un État justicier? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Vous êtes dans votre second épisode de votre feuilleton managérial African Global News, l'Afrique à cœur ouvert. Le piège d'un État justicier, ne sommes-nous pas en train de troquer notre puissance économique en perspective, en devenir et en construction pour une puissance symbolique? Quelle cohérence géostratégique et géoéconomique pour un pays, le Sénégal, qui a mis en coupe réglée son économie pour attirer les investissements directs étrangers et de donner à percevoir l'image d'un État justicier? Dans une certaine contextualité, Léopold Sédar Senghor, le président fondateur, le président poète, a poétisé le Sénégal. Abdou Diouf, le président administrateur, a administré le Sénégal. Maître Abdoulaye Wade, le président juriste, a légiféré le Sénégal. Ce que nous attendons du président Macky Sall, président ingénieur, c'est de construire le Sénégal pour justement devenir le président transformateur de ce Sénégal. Pour cela, le président Macky Sall gagnerait à ne pas tomber dans le piège d'un État justicier qui tout de même est différent d'un État de droit, encore moins d'un État de passe-droit. Merci beaucoup de votre attention et rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro de votre feuilleton managérial African Global News, l'Afrique à cœur ouvert.